Tu veux que je les mette là avant que ça. Tu me dis quand t'es prêt. Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir, bienvenue sur la Monster TV numéro 2, c'est la deuxième. J'espère qu'il y en aura une troisième, on ne sait pas, on verra bien. Donc, bonsoir Liguette. Bonsoir Phil. Ouais, tout va bien? Ça va. Ça roule ma poule? Ça roule. Bon, c'est cool. Donc, bienvenue sur la Monster TV, on le répète. Une émission dédiée à la scène émergente. Ouais, alors, que nous as-tu concocté ce soir? Eh bien, ce soir, au programme, nous avons Aberdeen, un groupe de rock alternatif, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'ils jouent, ils jouent pas, ils jouent, ils jouent pas. C'est ça. Je pense qu'ils vont jouer hein, quand même. Bon, bah, j'espère. Et de Fréjus. Et de Fréjus. Bon, bah, pour rentrer dans le vif du sujet, on va vous voir en mode répétition un petit peu, comme ça va être rigolo. Puis après, on passera aux questions. Bonsoir les amis, merci d'être là, la deuxième. Bonsoir. Bah ouais, c'est toujours la deuxième, ça fait plusieurs fois que je le répète, mais c'est toujours la deuxième de la Monster. Donc je vais vous demander de vous présenter un par un. Donc vous allez prendre le micro et on va démarrer par toi Nico. Alors tu te présentes. Nico, 41 ans, célibataire. Mais tu fais quoi comme instrument? Parce qu'on t'aime. Bah non, je joue pas moi. Tu joues pas, d'accord. Batteur. Il est puni. Ouais, il est puni, tu veux dire. Moi, Seb, guitare et chanteur. Moi, c'est Tristan, guitare. J'ai 39 ans. Guitare quoi, rythmique et... non, ambianceur. Ambianceur, ouais. Des trucs pas très catholiques à la guitare. D'accord. Ben, moi, c'est Christophe. Je suis à la basse. Ok. Alors, qui est à l'origine du groupe, le ou les fondateurs du groupe et à quelle date? C'est moi à l'origine. C'était parti de mon projet, c'était en 2015-2016, où j'avais envie de créer mon propre groupe. Et j'avais commencé par enregistrer quelques démos chez moi, sur mon ordi. Une dizaine de morceaux, de riffs, où j'avais enregistré les guitares, les basses. Et puis mon fidèle acolyte Nico, de toujours, m'a aidé à poser les batteries dessus. On a réussi à monter 6-8 morceaux à l'époque. Et puis de là, on s'est dit, bon, on va continuer le projet. On va trouver un chanteur, un bassiste, un guitariste. Donc pendant quelques mois, on a cherché comment
on allait monter tout ça. Et puis, de fil en aiguille, Christophe, ça s'est avéré naturel qu'il rentre dans le groupe. Et puis, après, Tristan qui est arrivé. Et à l'époque, on était 5 quand on avait commencé le projet. C'est vrai. Avec Florian, qui était chanteur à l'époque. Il a décidé de quitter le groupe en route. Et il m'a laissé l'opportunité d'utiliser ses textes. Et du coup, on est resté à 4 et c'est moi qui suis passé au chant, voilà, tout simplement. C'est cool. Alors maintenant, je vais vous demander l'histoire du groupe, en fait. Comment ça... C'est l'histoire, comme ça... Là, tu m'as résumé pas mal déjà, mais il y a peut-être autre chose derrière. Je ne sais pas, vous venez peut-être de différents horizons et... Nico et moi, on a joué longtemps ensemble dans un groupe qui s'appelait Soleil Noir. Pendant longtemps, j'étais bassiste, Nico était batteur. On a beaucoup joué, on a une dizaine d'années, on va dire. Donc c'était naturel pour moi d'avoir Nico avec moi, à mes côtés. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, Christophe, c'était le premier choix. Je lui ai proposé, il a tout de suite accepté, il nous a rejoints. Je pense qu'il y a eu aussi des hasards de la vie où, en fait, avec Nico, Seb et même Tristan... Plus avec Nico et Seb, mais on était vraiment au lycée ensemble et on a... Oui, quand même. Donc l'histoire, elle démarre là. Voilà, ça démarre il y a longtemps où on avait plus ou moins un peu des projets transversaux, on jouait ensemble, pas ensemble. Enfin bon, on s'est croisés sur scène avec des différents projets, tout ça. Et on s'est un peu perdu de vue tous. Et à un moment donné, dans notre vie, on s'est recroisés. Et l'idée d'avoir envie de faire de la musique est venue de Seb et Nico qui nous disaient, on a des morceaux. Et puis nous, on s'est joué, quoi. Allez, on l'a jamais fait, on teste, quoi. Et c'est un peu le hasard, parce que ça faisait un moment qu'on se voyait plus. Et en fait, ça a relancé la machine, et puis c'est comme quand on avait 16 ans, quoi. L'anecdote, surtout, c'est Tristan. Parce que on était venu pour trouver la quatrième personne, le deuxième guitariste du groupe. Donc on avait donné rendez-vous à une autre personne dans un bar qui devait faire partie du groupe. Bon, finalement, ça s'est bien passé avec lui et tout. Et puis Tristan était là ce soir-là. Et on a bu des coups, tu sortais beaucoup, tout ça. Et puis on s'est dit au bout d'un moment, oh, il est quand même bien sympa. Il paye des coups et tout, c'est cool. On va jouer avec lui finalement. Non mais c'est c'est vraiment du hasard. C'était qui le guitariste, moi ? Je peux pas dire. Non, on peut pas. C'est le mystère, ça. J et H, les initiales, c'était... Pour ceux qui comprennent, Jimi Hendrix. Non, je déconne. Johnny Hallyday. Non. Il y a aussi. À l'époque, on avait plusieurs. On avait chacun. Enfin, il y avait Soleil Noir, il y avait Dismo. Et moi, je jouais dans un groupe qui s'appelait Moksha. Et on a fait plusieurs petits festivals. Festival. Plusieurs dates, quoi. Ouais. On peut dire des festivals. On peut dire des festivals, ça se dit. Bon, c'est chier. C'est à chier, mais. Ouais, sur le coup, je festival, c'est ça. Bon, bref. Donc on avait fait, on a joué ensemble des soirs dans trois groupes différents, quoi. Bon, voilà, c'est cool. C'est un peu de là aussi. C'est bien parce que là vous nous avez bouffé nos questions d'après. Ne t'inquiète pas, je suis là. On est là. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave parce que moi quand on me dit Aberdeen, je pense à un truc, je pense à la ville de naissance de Kurt Cobain et je veux savoir quelle est l'origine de ce nom-là. Est-ce que ça a vraiment un rapport ou aucun rapport parce que c'est aussi une ville en Écosse. Exactement ça en fait. Putain, t'es trop balèze. C'est exactement ça. Aime le whisky aussi. Hein. Oui, on aime le whisky. Ah, ça c'est anglais. Pas de whisky à Aberdeen. Non, mais en Écosse, oui. Oui. Et comme il y a Aberdeen en Écosse, mais bon, à la base, c'était un peu ça. Ouais. C'était c'est la ville natale de Kurt Cobain. Kurt Cobain, ça fait partie de nos influences. Nirvana, d'ailleurs, Christophe pourra en parler. On en parlait beaucoup puisqu'il avait un groupe et il faisait que du Nirvana. Donc ouais, mais donc, c'est une belle référence aussi, attention. C'est notre génération, de toute façon. Hein. Oui. Voilà. J'avais raison. Ouais, c'est clair. Je l'ai eu, celle-là, je l'ai eu. Alors moi, maintenant, je vais partir de toi. Ta ville d'origine, en fait. Tu vas être déçu, c'est ici, c'est Fréjus. Hein. Ben non, je suis pas déçu, au contraire. Enfin, c'est Tristan. Pas très exotique, quoi. Ouais, Tristan. Moi, je suis né à Nice, mais j'ai tout le temps vécu, presque tout le temps vécu, aux Issambres, commune de Roquebrune-sur-Argent.
On aurait peut-être pu se rencontrer, parce que moi j'y allais depuis 72 aux Issambres, alors tu vois. Ouais, mais je crois qu'on s'est vu déjà. C'est fort possible. Ouais, t'avais les cheveux longs déjà. Bah non, je... Moi aussi je les avais à l'époque. Ah oui, tu les avais. Maintenant on avait. C'était bizarre. On habite à Calvi maintenant. Seb ? Moi je suis né en Bretagne. Ah, d'accord. J'ai des origines champenoises aussi. Très bien. Et je suis arrivé dans le Var, milieu des années 80, on va dire, voilà. Ah ouais, bah on n'est pas si loin que ça, parce que moi je suis arrivé en 80, tu vois. Ouais. Donc on est... Nico ? Bah moi je suis raphaëlois, hein, donc je suis né ici, bah, j'habite cool. Toujours ici, je suis parti un peu ailleurs, mais je suis toujours revenu, voilà. Bon bah c'est cool. Et donc on parlait d'orientation, d'influence, j'imagine que chacun d'entre vous, personnellement, a des influences et des orientations musicales différentes, ou pas du tout ? Parce que j'ai entendu oui. Nirvana, mais est-ce que tout le monde... tous les deux, on a des influences un peu communes, parce que bah, on a joué, ça fait des années et des années qu'on joue ensemble. Hein, donc, moi, depuis 99, on joue ensemble, donc on a des influences communes. Après, c'est plutôt le côté droit, là-bas, où il y a des influences un peu extrêmes, on va dire. Des choses, des trucs voilà. Bizarres. Je vais passer le micro, ils vont vous expliquer. Voilà, je veux savoir. C'est toi le côté droit. Ah oui. Toi non. Mais tu ne pas des trucs bizarres, toi. j'écoute énormément. J'écoute énormément de choses différentes. La musique, c'est une vraie richesse et j'essaie de ne rien exclure. Après, pas tout me plaît. Je suis vraiment influencé par. Moi, j'aime bien la musique sombre en général. Et là, avoir un projet rock dans lequel je pouvais mettre un petit peu ma touche et un petit peu de... Moi, j'aime beaucoup la Cold Wave, par exemple. J'essaye de faire un petit peu sonner mes lignes de basse dans Aberdeen, un petit peu à la Joy Division ou un petit peu à la Cure ou comme des groupes un peu plus modernes comme She Passed Away. Mais des choses où on a des rythmiques entêtantes, répétitives, mais un peu sombres qui vont s'approcher de la trance. Moi, j'aime beaucoup danser quand j'écoute de la musique. J'aime beaucoup bouger. D'accord. Après oui effectivement dans mon autre projet musical qui est plutôt de la musique extrême où c'est vraiment du métal un peu plus puissant, le côté sombre je vais le chercher dans la violence, dans quelque chose d'autre. Mais j'aime toujours cette sonorité un peu froide, un peu... J'aime pas quand la musique elle est ouverte, ça me plaît pas trop, je trouve que c'est trop banal. Comme mais c'est un avis qui est très personnel. Pardon. Comme nos questions. Ah non, mais moi les questions ouvertes j'adore, ça me permet de digresser à volonté. Ouf, donc ça me pose sauvé. Aucun problème. Moi je vais vous demander chacun, Seb, votre premier groupe en fait. Premier groupe que j'ai écouté ? Non, que t'as fait en fait, ton tout premier groupe quand t'avais 3 ans et demi. Mon tout premier groupe, ouais. Ah, c'était Soleil Noir. J'avais 15 ans, 15-16 ans à l'époque quand on a commencé le groupe, avec Jean-Yves, Olivier, moi et Damien. Et on a arrêté en 2008. Entre temps, on a eu Cyril aussi à la guitare et puis Nico qui nous a rejoint en 99. D'accord. Après, j'ai joué avec d'autres groupes. J'ai joué avec. Non, mais c'est juste le premier groupe de chacun en fait. Là, je vais passer à Nico pour savoir ton premier groupe. Alors, le premier groupe avec lequel j'ai fait un concert, on va dire. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ça s'appelait Both Sides. À l'époque, on faisait des reprises. Voilà, c'était avec des amis de l'époque, avec Manu, au chant, Eric, plusieurs musiciens avec qui ont continué la musique, certains et d'autres qui ont arrêté. Mais voilà, ça s'appelait Both Sides. Voilà. Tristan ? Moi, c'était Moksha aussi. D'accord, t'en parlais tout à l'heure, oui. Avec mon pote Johan. Et vous faisiez quoi ? Après, il y a eu son frère aussi. Ouais. Dans Moksha, il y a eu son frère aussi. J'ai oublié de dire ça. Et après. Vous faisiez dans quel sujet ? C'était vraiment bizarre. Hein. C'était de la musique ambiante avec des larcènes de guitare, des sons. Des trucs qui te pètent bien les oreilles. Quoi. Ouais, c'était quand même assez calme. Hein. Ah, c'était... plutôt planant alors dans l'esprit Pink Floyd. Ouais, il y a un côté Pink Floyd, mais. Ah, mais ça, c'est cool, ça. Un côté Sonic Youth, mais mou. Donc rock progressif en fait. Mais non, mais n'aie pas peur de dire rock progressif, c'est pas... C'était, mon chat. C'est pas... un truc particulier. On était les seuls à faire ça, donc, quoi. Dans le monde. Et d'ailleurs, on est... Dans le monde. Christophe ? Moi, c'est assez drôle, parce que du coup, c'est... mon premier groupe, je l'ai monté avec le chanteur actuel de Dismo, qui était à la guitare. Ouais, avec Touté, qui était à la guitare. D'accord. Et on jouait avec David Buret.
Oui. Voilà, qui était à la batterie. Et on avait aussi Benoît Poulain, mais qui venait pas souvent avec nous parce qu'il habitait pas la région, donc on le voyait que pendant les vacances. Mais bref, c'était un groupe qui s'appelait Curse et on faisait exclusivement des reprises de Nirvana. D'accord. Bon, bah, premier groupe qui a duré, ça a duré un bon moment. Ça a duré un bon moment et quand on a arrêté, on a monté Dismo avec Touté et mon frère à la batterie. D'accord. Mais avant, on jouait dans Curse. Voilà. Donc du coup, on parlait de premier groupe. Alors, je pense qu'aussi, pour Aberdeen, il y a eu une première scène ensemble. Et c'était quoi cette scène? Comment ça s'est passé vraiment, votre première scène? Est-ce que vous en avez un souvenir spécifique? Ah merde, putain, à chaque fois. Ouais, c'était ici, hein. Avec Nikos Ba. Nikos Ba, oui. C'était la première date. Qui revient bientôt, d'ailleurs, je crois, on rejoue avec lui le 25. Le 25 au Monster. Rebelote avec une spéciale à la fin du concert pour ceux qui seront là. Bon, écoute. Alors moi, j'ai... Bon, comme vous avez un petit peu enregistré récemment, je suis un petit peu au courant. Ouais, t'es un peu au courant quand même. Qu'est-ce que vous préférez, donc la scène ou l'enregistrement ou les deux? Alors perso, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Tout à fait. Voilà, j'adore la scène, j'adore proposer nos morceaux aux gens, avoir leur réaction, que ça soit positif ou négatif, mais avoir des critiques, j'adore ça. Faut de la réaction. Et le studio, j'adore aussi parce que on va travailler, on va peaufiner nos morceaux, on va vraiment les amener. On va travailler. Moi, je vais travailler mes riffs, je vais pousser mes riffs là où je les pousserai pas sur scène, quoi. Tout à fait. Voilà, donc c'est deux choses complètement différentes. Seb. Ouais, les deux. Bah, l'un va pas sans l'autre. C'est complémentaire en général. C'est complémentaire. Tu vas sur scène après pour défendre ce que tu as enregistré, ce que tu as travaillé, ce que tu as composé, arrangé. Moi, ce boulot de studio, ça m'éclate. J'adore ça, quoi. D'écrire. Ouais. Et après, oui, d'aller sur scène, de s'éclater, d'aller confronter nos morceaux avec le public et de les proposer et de les défendre, quoi. C'est ça qui me plaît, ouais, vraiment. C'est important, ouais. Tristan. Les deux aussi, hein. Excellent. Christophe, merci. Je botte en touche. Je vais prendre ton temps du coup pour développer. Merci. Non, moi, j'ai toujours eu un peu du mal avec la scène parce que je trouve que c'est un exercice supplémentaire parce que la représentation, en fait, se montrer physiquement et être le sujet de l'attention de tout le monde. Moi, au départ, quand j'ai voulu faire de la musique, c'était pas l'idée, en fait. Ah ouais. Et c'est vrai que du coup, j'aime beaucoup le travail en studio. Et d'ailleurs, ce week-end, c'est un peu ce qu'on va faire. J'aime bien être avec les copains. Moi, ce que j'aime bien dans le groupe, c'est être avec les copains. En fait, c'est le côté groupe. Ah, mais c'est la première chose. Un vrai groupe, c'est ça, en fait. Moi, j'aime vraiment avoir cette cohésion. Ouais. Voilà. Et après, la scène, je la fais parce que, ben, je vais pas dire que ça me plaît pas. Mais c'est pas l'exercice que je préfère parce que je trouve que c'est le plus dur, c'est le plus difficile, c'est le plus périlleux. Et le regard des autres, il est souvent dur. Il n'est pas toujours là où tu l'attends, en fait. Ouais, en plus, ouais. Il est souvent jamais là où tu l'attends. Ouais, tu t'es fait chier à bosser, puis ou alors on te dit, oh, putain, c'est génial. Ouais. Bon, t'es, mais là, t'aurais pu. Et puis, je trouve que le gérer le visuel quand on crée de la musique, c'est un autre métier, quoi. Et être sur scène, essayer de dégager une image qu'essaye de coller avec la musique. Mais c'est difficile, en fait. Quand on commence à réfléchir et à le conceptualiser, c'est pas évident. Et souvent, ça peut être sujet de pas de friction, mais on n'a souvent pas les mêmes idées là-dessus, quoi. C'est ça qui fait avancer les choses aussi. Mais je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est une question qui... C'est un vrai exercice. Ah, mais complètement. Qui est complètement différent de la musique. Et c'est une remise en question à chaque fois. Suivant l'endroit, suivant le nombre de gens. Et tu le sais encore plus avec ton projet Corrigan. Ah, bah oui. Où c'est quasiment de l'art total. Nous, on est limité, si tu veux, sur le visuel. Mais, oui, mais vous pourriez sans problème. On pourrait. Il y a plein de choses. Moi, je vois plein de choses. Il y a de la vidéo. Il y a plein de choses à faire. C'est un choix. C'est vrai que ça demande aussi du budget, des fois. C'est pas évident de. Et du temps aussi. Du temps, oui. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des premières parties d'autres groupes? Si oui, lesquels? Et si c'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ou pas du tout, ce qui se défend aussi? Quand tu dis des premières parties, c'est de groupes un peu connus, quoi. Non, ça nous est pas arrivé. Je vois pas pourquoi ça nous plairait pas. A priori, il n'y a pas de raison.
On n'a pas eu l'opportunité. Après, là, le maxi, il est sorti pendant le confinement. On a commencé à démarcher. Ça devrait arriver. Hein. Ouais. Après, nous, on a plus 20 ans. Les scènes, on en a fait pas mal. Du bar, on en a fait pas mal. Des endroits, voilà. Le but d'Aberdeen, c'est pas de faire 300 dates par an, c'est de faire des dates intéressantes, et les premières parties en font partie. D'accord. Nous, le but, c'est de vraiment de se faire plaisir, et on a été confronté à ça avec d'autres groupes. Et le but, c'est d'arriver à faire des scènes intéressantes. Ouais, et qui dit scène intéressante, c'est première partie, quoi. Voilà. D'accord. Eh ben moi, je tiens, bah, comme t'as le micro, ta plus belle rencontre artistique, quoi, musicale, en fait. Alors, ma plus belle rencontre, ça s'est passé lors de Class Rock aux alentours d'Aix, avec Luc Heller, qui était un... En fait, moi, quand je suis rentré dans le groupe, Soleil Noir avait déjà gagné Class Rock à l'époque, et on a été invité à y retourner. Et j'ai rencontré ce batteur qui est un arrangeur qui m'a personnellement fait changer la vision de la batterie. En fait, en gros, pour résumer, il a écouté les morceaux, il est arrivé à la répète, il m'a dit, tu vois, tes parties de batterie, tu vas les faire à l'envers. Alors sur le coup, je suis resté con. Mais oui, je me doute. Et en fait, je les ai faites à l'envers, et en fait, il m'a ouvert énormément de portes. Donc voilà, c'est cette personne-là, Luc Heller, et j'en garde un énorme souvenir, parce que c'est quelqu'un de super attachant, super professionnel, et je pense qu'il nous a fait avancer avec l'ancien groupe. Soleil Noir, il nous a fait avancer, il nous a vraiment un grand pas, quoi, et grâce à lui, quoi. Voilà, c'est ma rencontre. Seb ? Oui, moi pareil, Luc Heller, c'était à l'époque avec l'association Exki qui organisait Class Rock autour du pays d'Aix, une personne formidable. C'est toujours Class Rock, ouais. Ouais, toujours. Class Rock. Et voilà, l'apprentissage du studio, l'apprentissage des arrangements, une vision du travail. Et puis un personnage fantastique, quoi. Il avait été batteur pour Higelin, Joe Corbeau, des choses comme ça. Et puis un cœur énorme. Il nous a mis sur les rails, alors j'aime pas dire, mais de la professionnalisation, tu vois, mais du travail. De savoir comment travailler un riff, une musique, comment travailler en groupe, ce genre de choses. Luc Heller, ouais, sans équipe. Tristan ? Bah moi c'est mes potes, voilà. Ah bah, respect, c'est bien. C'est le groupe. Eh bah oui, mais c'est joli ce que tu dis là. Ouais. Moi pour ma part c'est mon père. Mon père qui était bassiste dans un groupe de blues rock. Ok. Et concrètement, si mon père il avait pas fait de la musique, j'en aurais jamais fait. Tout simplement. C'est lui qui m'a ouvert la porte, c'est lui qui m'a permis d'avoir du matériel, d'avoir un local de répète, d'enregistrer mes premières maquettes. C'est clair que sans lui, je serais pas là. J'aurais jamais franchi le pas. Donc c'est grâce à lui. Hein, c'est sûr. Moi pour ma part, c'est sûr, c'est lui. Bah, comme tu as le micro, tu vas le garder, et puis je vais te demander ton expérience artistique. Mais alors attention, est-ce que tu as fait de la peinture, des claquettes, de la danse, est-ce que ton expérience artistique, ouais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai longtemps pratiqué les claquettes dans une troupe professionnelle. Excellent. Ouais. Ouais. Non, sérieusement. La question artistique, ouais. Non, c'est crédible. Non, mais parce que t'as... après l'art, bon, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Bon, enfin, bref. Ce que je fais en dehors de la musique, principalement, qui peut se rapprocher à de l'art, c'est de la photographie. Ouais, mais c'est, ouais, bah, c'est après, un art, c'est un art aussi. Hein. Bon, après, est-ce que je le pousse au niveau de l'art, je sais pas. En tout cas, tu te fais plaisir. C'est le ça. Principal. Comme avec la musique. Voilà. Bah, voilà. C'est la seule chose que je fais qui peut se rapprocher de l'art. Après, le reste. Au mieux, c'est de l'artisanat. Au pire, c'est que je passe le temps, quoi. Tout à fait. Tristan ? Moi aussi, je fais un peu de photos. Il m'a beaucoup aidé, d'ailleurs. D'accord. Non, on s'y met un peu en même temps, quoi. Ah non, un petit peu avant. Moi, je faisais de la photo de concert. Ah, ça, c'est pas évident, ça. Ouais, c'est pas évident. La photo de concert, c'est très chiant. Non, mais il fait des belles photos, quoi.
Non, mais je dis, non, justement, c'est un, quand, la photo de concert, c'est pas simple. Voilà. Allez voir sur Flickr Tristan Blum. Il y a encore toutes mes photos. Bah, j'irai voir Tristan. Ah, depuis que j'ai un petit bébé, là, c'est un peu compliqué. Je fais plus trop de photos. Enfin, je fais des photos de bébé, mais bon, c'est. Moi, tu sais, il y a des mecs, des fois, ils viennent, ils disent ouais, tu peux pas mettre que du blanc pour un concert. Alors j'ai envie de leur dire, mais quand tu vas voir Metallica, tu vas demander à l'éclairagiste de ne mettre que du blanc parce que t'arrives pas à faire. Non, mais il faut s'adapter, ouais, c'est très sûr, compliqué les photos de ouais, 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 c'est un métier. Ouais. Donc, ouais. Mais moi, il y a des mecs, tu peux mettre du blanc. Ouais, les gars, non, j'ai pas envie, tu fais comme y'a, c'est. Bah non. Voilà, donc. Seb Ouais, je dessinais pas mal avant. D'accord. Plus assez maintenant, malheureusement, mais c'est vrai que je dessinais beaucoup avant. Beaucoup, beaucoup. Okay. Du graffiti, des choses comme ça. Les pochettes aussi, des stickers, ce genre de trucs. D'accord. Et plus assez maintenant. Bah ouais, mais ça va revenir. Nico ? Ouais, grave. Moi, artistiquement, j'aime tout ce qui est l'art. Donc, après, je pratique un peu de. Je fais du design sur informatique. Je fais. Ouais, j'essaie de faire des choses. Je dessine. Bah, je sais pas dessiner. J'adore dessiner, mais je sais pas dessiner. Mais j'essaye. Je fais des trucs. Voilà. Mais sinon, essentiellement de la musique, divers instruments. Voilà quoi. Bah, moi, j'ai deux regrets, c'est de pas savoir dessiner, de pas savoir écrire les paroles, tu vois. J'y arrive pas. C'est donc... Je fais de la moto. Ouais, aussi, ouais, ouais. Mais c'est pas vraiment un art, quoi, quand tu m'as vu conduire. Mais bon, c'est pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, là, dans quelques instants, vous allez monter sur la scène du Monster pour un live. Juste avant de monter sur scène, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous avez des rituels? Il y a des groupes qui ont des petits rituels, se torcher une bouteille de Sky, ou... peu importe. Est-ce que vous avez ce genre de truc-là? Dans quel état d'esprit vous êtes? Bah on aime bien boire un coup, ouais. Mais après de là à se torcher une bouteille complète, non. Non, 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 non. Bah, comme on me disait tout à l'heure, on n'a plus 20 ans, hein, donc à un moment donné, non, un petit rituel, non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Moi je vais faire pipi. Quoi. Voilà. Ouais, voilà. C'est le principal. Très important. Ah, oui, on va faire caca. Ah, une fois, il y en a une, vous avez plombé la salle un soir, juste avant le concert, putain, c'était énorme. Ah, la violence. Je sais pas s'il est bout. Tu te rappelles de cette soirée? Ah, putain, c'était d'une violence. C'était une fille, hein. Ah, c'est pas la même soirée. C'est pas le même jour, parce que non, là, il y a un mec. Oh, putain, si c'est une fille, c'est terrible. C'était pas la même soirée, c'est-à-dire qu'il y en a eu plusieurs chez toi. Eh ouais, c'est peut-être un signe, je sais pas. Donc là, vous allez monter sur scène. Est-ce que vous allez prendre des risques? Alors, ou musicalement, ou physiquement? Faire un saut périlleux, une collerie, toi, mais... Physiquement, mystère. Bah, physiquement un peu Tristan, parce qu'il est vraiment pas bien aujourd'hui. Donc il va pas bouger. Voilà, il est complètement bloqué. Mais je t'ai dit, je te mets une cale sous le pied, comme ça après, tu seras... Bah après, on va proposer deux nouveaux morceaux aussi, hein, qu'on n'a jamais fait sur scène, donc prendre des risques, peut-être. Non, mais je parle au niveau peut-être. Des chorus. Ah non, vous avez... Si, il y a des chorus quand même de temps en temps, mais est-ce que des fois, si le mec, il se sent bien, il peut continuer Bah, tu sais, nous... Vous avez des repères, des... Non, on essaye de faire... Alors, on a quelques libertés, mais on essaye de faire quelque chose de carré, donc non, il y a pas trop... On prend pas trop de risques. Ok, non, mais c'est tout à votre honneur aussi, hein, attention, hein. Donc, pour vous connaître encore un peu mieux, ça va être la rubrique à Fifi qui sera beaucoup plus technique. Attention. Ouais, là, ça va chier dans le ventilo. Alors, je sais pas lequel je coince. Bah, tiens, Seb. Donc, on va parler matos, là, maintenant. Oh, pas. Ton choix d'ampli, analogique, numérique. J'ai pas d'ampli. C'est nickel. Non, je joue sur mon vieux matos basse. Alors, une tête Trace Elliott et je crois que j'ai un Ampeg, ouais, un 4-10 au local. Ouais. Alors, au niveau des pédales, un choix particulier, j'ai pas vu exactement ce que tu as. C'est très simple, un accordeur, parce que j'ai une Metal Zone pour la disto, un Chorus, j'ai un délai, qu'est-ce que j'ai, je sais même plus, tu vois. Harp, je crois, que Dorian m'avait vendu à l'époque de Rhapsody. Et c'est tout. Une reverb que tu m'avais vendue, je sais même plus ce que c'était. C'est Electro-Harmonix. Electro-Harmonix et une Big Muff aussi. D'accord, au niveau guitare alors donc, guitare, j'ai une Fender, une Jazzmaster, c'est une signature Tronvoy Levin, c'est le guitariste de Queen of the Stone Age. C'est un bouclier, c'est génial. Et tu mets quoi comme tirant de corde? Les plus durs, les plus forts. 1356. Ouais, bah. D'accord. C'est mes derniers restes de bassiste où j'aime bien quand ça tape. Tout à fait. On va passer à Tristan. Je vais te poser les mêmes questions.
Alors moi j'ai, j'utilise une Gibson SG et j'ai une Epiphone SG aussi. Voilà. J'ai un ampli Rivera que je trouve pas mal. À lampe. À lampe, ouais. Ouais, ouais, ton... Avec un 412 en dessous. Après en pédale, j'utilise Reverb, Delay, j'ai une Crybaby aussi en wah-wah. Et puis j'ai... Et j'ai une pédale orange là que tu m'as vendue, je sais plus c'est quoi là. C'est le truc orange là. Ah là, ouais, c'est la T-Rex, c'est... la signature ouais. Modonnet, c'est une bombe ça. C'est une tuerie ça. Ouais, bah d'ailleurs j'ai joué en disto, je vais utiliser que ça là. Ouais, elle est pas mal, hein, elle est vraiment bien. Ah non, franchement... Surtout pour le prix quoi. Oui, c'est de la ouais ouais bah c'est hyper cool. C'est de la bombe. Ouais. J'ai jamais réussi à les vendre mais c'est de la bombe. T'en restes une, je crois. Ouais, il m'en reste une. Bah, tu me la fileras. Mais non, en tirant une corde, tu prends quoi? Ça va de 0,9 à 42. 9,42. Ouais. J'aurais dit 46, je sais plus. Ah 9,46, OK, oui, c'est ça, c'est bien. Ah, moi je vérifie. Ouais, ouais, c'est un immobilier là. Je sais plus c'est quoi le. Je cherche les mêmes. Non, 46, c'est bien. Voilà. On va passer. Oui, moi. C'est ça. Alors, le morceau, c'est lui. J'ai mangé derrière. Alors, moi, j'utilise la basse de Seb, qui est une Music Man 5 cordes. Très bon choix. Ouais, bah c'est parce qu'en fait c'est une 5 cordes, comme on voulait avoir certaines fréquences, certaines notes, bah, moi j'avais pas de 5 cordes dans la une, plutôt d'en acheter une, ben bah, voilà. Mais c'est simple, c'est ça la famille. Je jouais avec une 3 cordes. Ouais, mais c'était il y a 20 ans, ouais. Mais je crois qu'il y a un musicien qui a compris Miles Davis, un méga bassiste qui jouait sur 3 cordes. Non mais moi c'est pas parce que j'étais hyper fort. Hein. Non. C'est pas pour ça. Mais bon. Tête d'ampli, bah, c'est la en bas, d'orange, la 500 watts, ouais, c'est hybride. Voilà. En pédale, j'ai Disto, Chorus et un petit boost. D'accord. Et voilà. Et au niveau des tirs en corde, elle est plus dure. Ça, c'est l'habitude avec Disto. En 130, en 130 ouais. Non, la plus grosse, c'est quelque ouais, chose comme ouais. Ça. Ouais, ouais. Alors maintenant, juste au niveau de l'accordage général du groupe, vous êtes quoi en 440? Oui, standard. Standard, ouais. Alors maintenant, on va passer c'est un peu différent. Donc, quand vous créez un morceau, ça vient comment en fait? Il y en a un qui amène une idée, ou vous êtes en répète, d'un coup, il y a un truc qui part. Je parle aussi bien de l'écriture des textes et tout. Hein. Comment ça se passe en fait? Expliquez-moi. Le côté musical, c'est les deux. Hein. Donc, vous êtes en répète. Ou quelqu'un vient avec une idée, on embraye. Où on balance un peu comme on a fait tout à l'heure à la balance, on balance un truc et puis s'il y a des sonorités qui nous plaisent, on retient, on développe, on modifie, on arrange et puis ça devient un morceau ou pas. Après les textes, bon ça je vais plutôt laisser celle discuter. Mais... J'aime bien travailler comme un musicien au départ, c'est-à-dire que je répète avec le groupe et je veux vraiment qu'on structure au maximum la musique. Mmh. Et ensuite, quand c'est plutôt bien structuré, je leur demande qu'on enregistre. Et de là, après, je me mets à travailler sur mon texte. Ok. Voilà. Je vais revenir sur Nico pour la batterie. Ah, tu croyais que je t'avais oublié? Je pensais que tu m'avais oublié. Non, mais j'ai fait exprès, en fait. En fait, toi, alors, tu utilises quoi comme marque de batterie? Gretsch. Gretsch, ouais, c'est cool. Voilà, Gretsch, tout simplement parce que bah, il me fallait une batterie. En fait, j'étais avec une batterie électronique parce que on répétait beaucoup avec la batterie électronique. On a décidé de refaire de la scène, donc il me fallait une batterie. Je suis allé voir Ludo Arapso et puis il m'a dit tiens, j'ai une Gretsch. Bah, j'ai testé, elle était sympa, et puis voilà. Tu mets quoi comme pour des cottages, des sablés, des machins, des... Non, non, le standard. Non, non. des pots en plastique. Ouais, non. Ouais, mais après, parce que les mecs ils sonnent pas pareil suivant les styles, toi. Ouais, mais donc, en fait si tu veux, moi je suis un batteur qui se prend pas la tête. Je prends ce qu'il y a. Et donc, en fait, ça reste standard. Alors, j'ai vu là, j'ai commencé à regarder un peu différents batteurs. Alors, ils te parlent de nouvelles pots, de nouveaux machins. J'ai pas testé encore, j'aimerais bien. Parce que peut-être ça me donnerait une sonorité différente à la batterie. Mais non, là, j'ai des Evans, je sais même plus le nom de la Evans, je serais capable de dire. G3, un truc comme ça. Ouais, hein. Voilà, du basique, quoi. Au niveau des baillettes, tu prends quelle taille? Alors, c'est 7A. D'accord. Voilà. Ok, bah tes pédales,
Quand ton Acacia, ta pédale de grosse, j'ai une pédale Yamaha. En double, non? Bah, j'ai une double, mais je ne l'utilise pas avec Aberdeen, donc je reste en simple pour Aberdeen. Voilà. Là, les cymbales, j'ai acheté des Sabian, là, les nouvelles à explosion, elles sont, je trouve, vachement sympas. Ouais, quoi. Ça sonne bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'aime c'est bien. Donc j'ai pris deux Crash, et, bah, maintenant je voudrais investir un peu sur une Ride et sur un Charley. Ce que j'avais pris à l'époque, j'avais pris un pack Istanbul pas trop cher parce que j'avais pas les moyens. Donc là, petit à petit, j'essaye. Voilà, les cymbales, c'est ce que je... c'est là où je mets mon argent parce que je trouve que c'est ce qui donne la sonorité à la batterie. Après, les tomes, quand on est sonorisé, oui, ouais. Ça sonne, oui, ok, d'accord. Mais on peut trouver un bon son sans avoir non plus une batterie à 10 000 balles, quoi. N'importe comment. Hein. Pour un batteur, c'est les cymbales et la caisse claire. Oui, tout à fait. Il va oublier les fûts, il va se déplacer sans ses fûts, mais non, voilà. Donc oui, complètement. Et puis, comme je dirais, que ce soit une guitare, une batterie ou une basse, le premier son qui va sortir, c'est tes doigts. C'est ta main, c'est ta façon de frapper. Donc, effectivement, oui, tout à fait. Tu peux envoyer tout ce que tu veux si les pots. C'est pas les pots qui vont faire que ce que tu tapes, en fait. Je suis d'accord. C'est toi, c'est vous, quoi. Donc là, maintenant, on va passer à la rubrique à liguette. Donc là, rubrique à liguette. Ouais, c'est des questions, je vous préviens les mecs, ça va. Attention. Télé, rubrique à liguette. Ouais, ça va chier volu quoi. Non, c'est des questions con, réponses con. Ah. Non, parce qu'après la technique, je pense qu'il faut un peu se détendre. Filou, désolé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas écouté, tant mieux. Bon, non, en fait non, je pense que j'ai adressé ma première question à Filou et puis après il va faire ricocher. Parce que j'ai envie de connaître sa réponse et je pense qu'après j'ai envie de connaître la réponse de tout le monde. Filou, on a tous une chanson qu'on adore, mais putain, on en a honte. Mais on en a honte. C'est quoi la tienne? Bah moi, c'est paradoxal parce que j'en ai pas honte, mais c'est Offenbach, La Belle Hélène. Ouais. Et j'en ai pas honte. C'est du classique. Attention, c'est une comédie, c'est un opéra en fait. Mais j'arrive pas à en avoir honte. Ben non, mais dis-le, faut le dire. Il y a une honte. Moi, je trouve pas. Moi, il y a même deux, moi. Mais, bah vas-y, lâche. Je me souviens que j'avais trippé sur un morceau de David Guetta pendant je sais plus quelle année. Je trouvais ça génial. Ouais. Le mix et tout. Et puis, il y a un morceau Dancing Queen de ABBA. Ah, ça. C'est... Ah ouais. Mais qui passe, je sais pas. On a eu un débat sur ABBA en plus tout à l'heure. Voilà. Je trouve que c'est un des plus grands morceaux de la night. Non, donc moi je sais pas trop. Par contre ça fait plusieurs jours là que j'ai une chanson vraiment que je déteste dans la tête et j'arrive pas à m'en sortir, c'est Regret de Mylène Farmer. C'était en duo avec ah non s'il te plaît si, non, parce que là si, ça va, j'aimerais pas jouer tout à l'heure. Mais si, lâche. Et pour l'anecdote c'est ma mère elle avait je sais pas entre mes 12 ans et mes 16 ans. Dans sa voiture, elle avait un autoradio cassette. Elle avait une seule cassette, deux titres. C'était face A, c'était Regret de Mylène Farmer. Et face B, c'était Regret de Mylène Farmer, mais en anglais. Et elle écoutait tout le temps. Et là, l'autre fois, j'en ai discuté avec Candice. Et je lui disais, ouais, elle, qui est ma future femme. Ah oh, oh, oh. Là, je me suis un peu avancé, là. Les gens connaissent pas. Oui. C'est une demande ou quoi? Voilà, bon. Non, mais Regret, c'est pas une chanson que t'aimes. Non, je la déteste, quoi. Et du coup, je l'ai fait écouter. Ça marche pas, et depuis, ouais, ben, je l'ai dans la tête tout le temps, quoi. Ça peut être la chanson qu'on aime quand on a honte. Et ouais. Tu te lèves avec, tu te couches avec, t'es mort. C'est clair. Non, ben bah, moi je sais pas. Il y a plein de chansons que j'aime et suivant le contexte où je suis, j'en ai honte. Mais c'est bien vu. Mais du coup, j'en ai pas une quoi. Ouais, y a pas. Après, j'ai peut-être un groupe qui vient en tête, Indochine. Ouais, j'aime bien Indochine. C'est un peu honteux quoi. Ouais, bah, bon, bah en soirée quand il y en a une qui passe ouais ça peut mettre l'ambiance quoi. J'avoue que bon ça dépend des contextes, ça dépend de voilà de ouais choses, ouais en fait, bah c'est la musique, c'est une question de contexte hein. Voilà, et j'avoue que et d'humeur oui. aussi ouais, et d'humeur, oui tout ça ça fait partie c'est parti. Du coup bon je pense que j'en ai plusieurs ouais mais je pourrais pas en citer une quoi. Ouais,
Alors, on parlait. Il nous a pas mis. Arrêtez. C'est qu'elle est vraiment honteuse alors. Franchement, j'en ai plein et j'ai pas de. Ça vient pas tout de suite. C'est pas grave. Donc, je parlais tout à l'heure de vos premières scènes, pourquoi ça vous a marqué. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué, mais vraiment négativement, vraiment une. Pour reprendre la phrase à Philou, est-ce qu'il y a une scène qui a chié dans le ventilo, mais grave, quoi. Avec Aberdeen, non. 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 Je pense pas. Non, pas avec Aberdeen. Voilà. Et avec d'autres groupes précédents, des scènes pourries, ou vraiment... Il y a quand même la scène... Bah, après... devant les gens assis, là. C'est pas... non, mais c'était vachement bien. Non, mais, là, non, mais après, c'était parce particulier. En fait, mais la scène. Il gardait les chaises pour y penser qu'il y a un truc de variété après, quoi. Mais non, ça, c'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses. Pas, non, c'était une super... non, c'était une super scène. Il y avait un super son, il y avait un bon accueil. Il y avait... Non, c'était une super scène. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises scènes. Déjà qu'il y ait une scène et que des gens se motivent à faire une scène, déjà c'est bien. Après, ils le font avec leurs moyens. Donc oui, des fois, on s'est retrouvé dans des situations où... des mauvais accueils, mais... voilà, après, non, pas spécialement. Si les gens, ils sont motivés... ça le fait, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, l'endroit... Alors, c'est sûr qu'ici... c'est différent, mais il y a des endroits, des assos, ils organisent dans des salles. Alors ils font ce qu'ils peuvent pour que ça se passe bien. Là, il n'y a pas longtemps, avec Gizmo, concert, bah voilà, les mecs, on a été super bien accueillis. Ah oui, oui, oui. C'était génial. Après, il n'y avait pas de scène, ça jouait par terre, mais il y avait une super ambiance. Ouais, donc, ouais, en fait, ouais. Voilà, c'est plutôt les gens qui nous accueillent, voilà, ouais. Plutôt que la scène. Dead Rising Boy, l'association. Ben voilà. Donc du coup, est-ce que vous avez fait une démo, un CD, LP, EP, et sur quelle plateforme est-ce qu'on peut l'écouter? Alors on a sorti, un album, enfin un maxi, pendant le confinement. D'accord. Et il est accessible sur toutes les plateformes. Ok. Voilà. Parfait. Nickel. Voilà. Alors vous, des plateformes? Non. Du CD? Du CD, bah ouais. Bah Aberdeen. Ouais, mais ça tombe pas sur le sens. Non, ouais, c'est éponyme, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Parfait. Alors, vos projets futurs, maintenant qu'on est déconfiné, enfin. Bah, moi, j'aimerais bien monter un club de claquettes professionnel. Tu crées des vocations, Philou. Ouais, excellent. Écoute. Artistiquement parlant, je pense que c'est y a quelque chose à faire. Très difficile. Ça fait violent, la claquette. Ah, mais c'est hyper, hyper violent, la claquette. Ouais, c'est clair. Ouais. Putain, faut les pompes et tout. Attends, avec les semelles en métal, quoi. Tu te casses la gueule quand ça glisse de partout. Non, oui, bah défendre le produit, défendre le EP, quoi, sur scène. D'accord. Donc allez, vous avez des dates prévues? Est-ce que vous avez des festivals? On en cherche. Ouais, vous êtes en cours. Oui. On cherche un peu la confrontation, oui. Puis bon, parallèlement, on va continuer. Bah, du coup, on va commencer à bosser sur des nouvelles chansons, parallèlement. Donc, d'accord. Défendre ce CD et travailler sur le prochain, je pense, hein. Tout simplement, hein. Ok, bien, avant de nous retrouver sur la scène du Monster Art, que nous proposes-tu, Liguette? Eh bien, Liguette, elle propose qu'on regarde un dernier extrait vidéo. D'accord. D'Aberdeen. Ok, et puis comme ça, ils vont s'installer. Voilà. Point. When I die, I feel away.
feeling. There is no eye, no ears, just behind the wall. You can find some hippies, they kind of write a song. They never feel the wind and never see the rock. Thank you.
Merci Liguette.
Merci. Ce sera la dernière pour ce soir. Merci à tous. Merci à Phil, Liguette, le Monster Art, Phil et Liguette, Alex aux Lumières. Merci à tous. Et c'est le dernier morceau. The last. How many times I have to roam into these streets, listening to the noise of a dying beat. Until the dusk, how many people did I cross, running to their homes while I go get lost. Don't feel
Lombio Monster, Monster TV, Alex, Miguel, Phil, Aberdeen. Merci à tous. C'était Aberdeen pour la deuxième du Monster TV. Donc maintenant, on vous invite à nous rejoindre à la régie pour les adieux et surtout les remerciements. Il fait chaud dans la cabane. Ah, c'est ça qui est bon. Magnifique! Terrible! Ah putain! Attends, là il a pas mal au dos pour aller chercher la bière là! T'as vu le mec un peu? Quel numéro quoi! Tout à l'heure il avait mal au dos, là il a plus mal au dos pour aller chercher la bouteille d'eau! Putain! Bon bah écoutez, merci les amis! Vraiment! Bah non, mais on essaye! On essaye! On prend des risques en fait, on sait pas! Mais, mais voilà, et bah, ça nous a fait plaisir de vous recevoir! Et bah toi Liguette, ta phrase en rose là. Ah bah elle est passée celle-là vu que... Ouais mais t'as oublié de la dire. Mais non, mais si. On se rejoint tous à la régie, nous sommes à la régie ouais, mais avant et tout va bien. Et nous sommes heureux d'être ensemble maintenant. Avant de nous quitter, pour une fois que j'ai pas chié dans le ventilo. Sur vos promos, sur vos prochaines dates quoi. Et puis, puis si vous voulez remercier des gens, bah allez-y, sans souci. Prochaine date... moi j'étais sur le 22, le 29, 25. 25 Ça change tout le temps, tu sais. Ah bah non, mais... Là, faut voir Macron parce que ça évolue en temps réel. Il y a le 25 juillet avec au Monster Art, comme par hasard. Pas de peau quoi. Avec Nikos Ba. Voilà. Ensuite, il y a le 29. Au Monster Art. On joue le 29. Ah, Figanière. Ah oui, Figanière. Ah, vous jouez avec... Ouais, le avec mercredi 29 avec Corrigan. On va bien rigoler. Ah oui, mais putain, vous avez merdé Dismo, là, sans il déconner. Je voulais vous, faire jouer le 22. Putain, il y en a un qui est pas là, l'autre qui est pas là. Putain, non, c'est pas grave. Passons. Ah, j'irai pas, alors. Ah non, mais et les gars, je vous veux, moi. Parce qu'ils vous veulent, là-bas. Hein. Je sais, mais... Ah ouais, mais attends, ils sont prêts à faire grève et tout, les gars. Allô. Hein? Allô, vous réglez vos problèmes plus tard, allez, les gars. Allez, non, mais c'était une boutade, Et donc voilà, ouais. Le 18 août à Los Angeles, on a le. Vegas. En septembre aussi. Septembre, Las Vegas. Voilà. En première partie de Black Label Society, non. Je déconne, mais je t'expliquerai pourquoi après. Il y a la date. Non, c'est pas. Non, on n'en parle pas encore parce que c'est pas. Non, sûr, on peut pas. En fait, on a. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. Effectivement, le festival est toujours en cours, mais on attend. Ils attendent les élections pour nous donner la validité ou pas voilà, du festival. À voir. Donc, ça sera courant la semaine prochaine, voire. Mais bon, là, tout est écrit, tout est prêt, le dossier est envoyé, tout est clairé, il n'y a pas de souci, quoi. Mais on n'attend plus que l'autorisation de la mairie. Et moi j'aimerais, alors parce qu'il paraît qu'on peut remercier, tu nous as dit. Remercie qui tu veux. Moi je voudrais remercier Alex, voilà. À l'extérieur. À l'extérieur. Viens là, viens en photo, viens Alex. Viens là, viens avec nous là. Voilà, allez, qui vient faire les lumières avec nous maintenant, avec Aberdeen. Et, oui, allez, mets-toi là-bas au milieu, voilà. mets-toi devant. Il faut descendre la caméra. Voilà, voilà Alex. Et j'espère que on va continuer longtemps ensemble. Voilà. Intérêt, ouais, sans ça, je vous mets une claque dans la. Sans ça, je vous pète la gueule, moi, si. Tu peux nous donner ton morceau honteux. Je suis parti, ça. Ah oui. Oui, alors juste, tu peux nous donner ton morceau honteux. Ah oui, oui, ah, oui. Honteux. Ah oui. Super honteux. Ah, c'est important, quoi. La réponse de Corrigan. Ah non. Europe, the final countdown. Ah. Mais. J'assume. Ouais, mais il a son cachet, ce truc, en fait. Bon, ouais, il avait son cachet. Faut voir la reprise par les Russes. Je sais pas si vous avez vu. Vous avez pas vu la reprise par les Russes là ? Non. Ah, c'est à voir ça. Il y a des Russes qui reprennent ça. C'est à voir. Non, mais ça joue. Hein. Attention, c'est pas. Tu rigoles pas. Hein. Ah, c'est bien les prairies de la mer. J'en ai marre de tenir le micro. Oui, mais. Quoi, l'arpillon ? Qu'est-ce que tu parles de l'arpillon là ? Moi j'ai vu les roquettes à l'arpillon. On vous entend pas les gars.
Mais ouais, mais faut pas. Ouais. L'arpillon, c'est quand même monstrueux, quoi. C'est mythique, hein. Ah, c'est l'arpillon, bon. C'est l'arpillon, quoi. On a plus trop l'âge d'aller à l'arpillon, mais quand même. Ah, pourquoi? T'as vieilli, toi? Non, je peux plus encaisser comme avant, quoi. Ah, ouais, c'est ça. L'arpillon, ça fait mal quand même. Ah, et plage de rock de ouf, juste avant, là, c'était super. Ah, les rockers, ces mecs, ils étaient tout en argenté. Tu sais, tout la boule à zéro, pas en argenté, costume argenté et tout. Mais ça jouait grave, quoi. Ouais, bah ouais. Je sais plus en quelle année. Ça, faut ça, boire hein, pour voir des trucs comme ça quand même. Hein. Ouais, t'es pas ouais, comme ça en père de famille. Nous, on était sur la plage, on les voyait répéter, faire les balances, quoi. C'était hallucinant, quoi. Et le soir, ils me disaient. Trop bien. Ouais, ouais. Non, mais l'Arpillon, c'est un endroit. Ouais, c'est un endroit mythique. Presque aussi bien qu'ici, quoi. Ah, mais mieux, même. Ça a drainé vachement d'artistes, hein, sans en avoir l'air. Donc voilà, c'est bon. C'est bon pour nous. Et ben on va se faire adieu. Voilà. Adieu. Merci beaucoup. Au revoir. Allez. Non, faut juste que je trouve la souris en fait, parce que des fois j'ai la souris qui déconne. Non, mais c'est ton ordi qui a déconné. Là, regarde. Attends, on est alors en fait, c'est l'ordi qui a déconné, mais c'est pas. Non, mais. Faut tout recommencer. Voilà. J'ai oublié d'enregistrer. Maintenant, vous êtes. Non, ça y est, c'est bon, c'est parti.